bienvenue pour ce deuxième épisode de notre trip à Guadeloupe. C'est trop bien, on a eu plein de bons retours pour ce premier épisode en Guadeloupe. Donc merci à tous, c'est trop cool. Ça nous motive pour la suite pour faire encore plein d'épisodes bien énervés. Merci pour tous les commentaires, on répond à tout le monde. Et pensez bien à nous suivre sur Instagram parce qu'on met beaucoup de stories en ce moment, plein de posts. Donc comme ça vous avez plein d'actualités en avance et vous voyez en temps réel ce qu'on fait. Et des exclus. Ouais, des exclus, ouais. On se retrouve demain pour une bonne petite journée sur mon de la wing, du surf, des vidéos stylées. Vous avez bien kiffé dans le premier épisode qui est beaucoup de vlogs. Ça nous a plu, on va refaire. Là on a plus de micro et le micro est cassé, donc faut qu'on en trouve un pour refilmer parce que sinon le son est pourri. Mais ça va bientôt arriver, on va essayer de trouver ça. Voilà, on a checké les conditions, demain ça devrait être une belle journée, ouais. On va bien en profiter. Allez, on se retrouve demain pour une bonne petite journée à la Juju Camp Snipe. À demain. À demain. On prépare le matos, direction le spot. Il y a un peu de vague qu'on s'est refait, c'est cool. Let's go, c'est parti les gars. Bon petit set qui arrive là. Bonne petite vague avec le single. Allez, on est parti pour la session. On a déjà surfé ici, mais ça fait très longtemps. We'll be right back.
Bon petit sandwich après la session. Rien de mieux les amis. Allez, on a bien kiffé cette bonne session. N'hésite pas à mettre ton petit like si t'as kiffé. Et maintenant on va aller promener un petit peu. Manger encore. Manger. Et puis on se retrouve pour une prochaine session. Allez, let's go. Hop les. Jules. Pas mal la chaise. Allez, maintenant on a fait un peu de route pour aller acheter un nouveau micro parce que hop, celui-là, là, il est cassé, il nous a lâché clairement. Ça faisait quelques fois qu'on avait plus de son sur nos vidéos avant de partir, mais on croyait qu'il était mal branché. Enfin, c'est parti, on va acheter ça parce qu'on peut pas trop vlogger sinon il y a trop de vent, donc c'est galère. Let's go, hein. On va essayer de trouver ça. Première tentative, c'est un échec, nous n'avons pas trouvé de micro rod. Allez, l'ex-magasin. Deuxième tentative. Bon, là les gars, on vient de faire au moins 10 magasins, peut-être au moins 15 magasins. Ouais. On a passé, déjà merci aux abonnés parce qu'on a mis une story Insta, tout le monde nous a envoyé des adresses de magasins et tout. On a passé le temps sur Waze et sur Map là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux un micro pour ton appareil photo, ton appareil vidéo en Guadeloupe, oublie, ils ont pas, ça n'existe pas. Et après, bah, on a eu des contacts par les abonnés, donc c'est cool, on va peut-être pouvoir en récupérer un et puis on va en commander un après. Mais c'est un peu énervant, dès qu'il y a du vent, on n'entend rien. Mais bon. C'est les joies de... Les aléas du direct. Voilà, exactement. Et maintenant, on va quand même essayer d'aller sur Calais, une petite session, parce que bah, il y a un peu de vagues et tout, ça, c'est royal. Ouais, il y a du soleil, donc on va regarder un petit spot là, si on peut se faire une petite session encore, se mettre à l'eau. On y va? Allez, c'est parti. Let's go. Yo. On se retrouve pour une petite session surfile. Je vais aller à l'eau, je vais le filmer, on va essayer de faire des vidéos de qualité. Jus, petite impression, la crème. Première impression, la crème, toujours important les gars. Et je vais mettre une petite chemise Juju Cans, pas prendre de coups de soleil et rider tout en style. Et avec ça, on va être pas mal. Camille va filmer, peut-être qu'après on tournera, on va voir. Et puis ça va être cool. Allez, let's go. La session de surf était juste incroyable. Là franchement ça faisait longtemps, je sais même pas si on avait déjà fait une session de surf comme ça dans de l'eau bleue, un vrai clip, enfin où j'en suis vraiment content, on en voit bien le steak, donc franchement c'est trop cool. Partagez-le un max franchement parce que c'était trop ouais, ouais, les gars c'était pas du moussu hein, vous avez remarqué. Ouais. Et c'était des singles de chez RD, donc elles sont en 6-8, le modèle c'est Yellowtail je crois. Ouais. Et bah quand on l'a vu dans le catalogue, on voulait trop des planches comme ça old school. Trop stylé. C'est trop stylé à rider en fait, t'as toutes les courbes, elles sont old school et ouais. Vraiment stylé. On pourra vous la présenter d'ailleurs si vous voulez, on va vous faire une présentation en détail. Et en tout cas on va vous poster pas mal de photos des sessions de surf parce qu'on enchaîne beaucoup et on a des grosses conditions. Donc franchement on score pas mal, donc allez nous suivre sur Insta, c'est hyper important. Et maintenant on va ouvrir cette noix de coco là parce que là ça fait 2 heures que j'ai dans les mains là, j'ai trop envie. Allez on va ouvrir ça et après on fait une petite fin de vidéo et on se retrouve à l'épisode 3. Let's go. Allez on enlève l'écorce pour aller chercher la noix à l'intérieur. On n'a pas de coupe-coupe hein, mais au tournevis c'est parfait. Et puis on a du bar quoi, la Juju 15. Et tiens, dites-nous dans les commentaires si vous kiffez un peu les vlogs là à Guadeloupe comme ça. Et nous voilà avec la noix de coco. Donc là on a juste à la casser en deux et on va pouvoir déguster tout ça. Le jus et tout, ça va être bon. Mmh. Allez là on l'a ouverte. Du bon jus de coco les gars, tout fraîchement cueilli. Regardez ça les gars si c'est pas beau. On pourra en faire gagner une hein, sur la chaîne. On ramène une coco en France et on la fait gagner. Ouais du tout, si vous voulez gagner une noix de coco, on va se régaler maintenant. Plus qu'à déguster. Allez, maintenant qu'on a pété cette noix de coco, on va aller la déguster. Et on se retrouve pour un petit débriefing de la vidéo. A tout de suite. A tout. Et voilà, une bonne petite session de surfing. Bon, au final, je suis pas allé dans l'eau, les vagues étaient petites. Je me suis fait plaisir à le filmer.
je me suis amusé sur la plage à le regarder. Ouais, c'était pas la session de malade, c'était des petites vagues et tout, petit coup tranquille. Moi j'ai fait, même pas une petite heure. Ouais. Mais franchement, il y avait de quoi faire des petites heures. Restez connectés parce que si vous aimez le surfoil, ouais, là les prochaines vidéos là, ça va être. Même j'ai envie de dire de la wing dans des conditions de malade, des couleurs de fou. Là on est déjà en train de monter l'épisode 3 du trip en Guadeloupe, ça va être une dinguerie. Donc franchement, en tout cas, merci pour tous vos retours. Merci à tous les gens qui nous envoient des messages sur Instagram en disant qu'ils kiffent nos vidéos, qu'ils nous kiffent, nous suivent et tout. C'est trop stylé. Ça fait trop plaisir, ça motive pour la suite. On essaye de partager tout ça au maximum. Ouais. Mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous, activez la cloche pour pas rater les prochains. Et on va essayer de trouver un micro, on va essayer de dégoter ça. Il y a du vent pour un micro. Il y a du vent qui arrive, il va y avoir du carré, de la planche, des gros sauts en wing, j'espère. Voilà, tout ça s'annonce bien. Donc, ouais. Il n'y a plus qu'à continuer les strips et à vous monter toutes les vidéos. Est-ce qu'on met un petit teasing du prochain? Peut-être qu'on vous met un petit teasing. Ah ouais. Allez, on vous met un petit teasing. Allez, abonnez-vous. On se voit au prochain épisode dans une semaine. Chou. C'était juste comme ça.